J'espère que vous partez toutes et tous bien. Si ravie de vous retrouver dans un haul action. Un haul action assez long. Il y a pas mal de petites nouveautés et beaucoup de petites cochonneries parce que je reprends l'arrêt du tabac et là j'ai arrêté depuis 4 jours. Je me félicite. 4 jours sans fumer. Mais vous savez ce que ça comporte, l'arrêt du tabac. Ça comporte beaucoup de grignotage. Donc j'ai pris pas mal de choses assez saines. Donc on verra bien. J'ai pris un petit meuble et vous verrez de quoi on m'occupait pour éviter de penser à fumer. Voilà, on commence tout de suite par les petites occupations. Ça, j'en ai déjà fait avec ma mère. Ma mère, elle aime bien faire ce genre de trucs, les petites diamantes painting, c'est des petits strass que vous venez coller sur, avec des petits codes, etc. Et ça vous donne un petit cadre comme ça. Déjà, j'ai pris ce téléphone magnifique. J'en ferai rien quand ils seront finis, donc si ça vous intéresse, quand je serai fini, je vous les donnerai. Mais ouais, je trouve ça très beau et ça occupe bien l'esprit et vous pensez à rien d'autre qu'à ça. Donc 3,99€ pour celui-ci, il fait 30-40 cm et j'en ai pris un deuxième dans les mêmes tons que je trouve très beau. Il est trop stylé également, ce zèbre. Je trouve beau. Celui-ci fait 40-60 cm et il fait 1€ en plus, je crois. Ouais, il est à 4,99€ et il est plutôt canon. Hein. Pareil, j'en ferai rien, ma déco ne va pas du tout avec ça, mais si jamais ça vous dit, voilà. Donc ça comprend les strass, le petit truc pour venir mettre les strass et puis le collant, je crois. Voilà. Écoutez, j'essaierai ça. On verra bien. Pour remettre le salon, parce que quand j'ai fait le vlog et que je vous ai montré le petit meuble qu'il y avait à l'entrée, que j'avais déjà acheté à Action, et je vous avais dit, je cherchais autre chose qui fait un petit peu plus qualité. Donc du coup, j'ai trouvé ça. C'est vraiment très beau. Je sais pas, alors, j'essaie de vous enlever le reflet de la ring light. Donc c'est une demi-table en fait, et ça, je vais le mettre à l'entrée du salon pour y mettre les cartes de visite. La petite bonbonnière, 2-3 petits trucs dessus et je trouve ça beaucoup plus qualitatif que celui que j'ai en ce moment au salon et je vous l'avais déjà montré, c'était un petit d'Action avec, il est un petit peu bancal hein, franchement, donc j'ai pris celui-ci qui fait vraiment très beau. Il est au prix de 19,95€, donc je sais pas franchement ce qui se passe à Action en ce moment. Il y a beaucoup de meubles, des tapis, des trucs vraiment vraiment très très beaux que tout le monde essaye de s'arracher. Donc voilà pour ça, donc c'est plutôt pas mal. Et à prix vraiment vraiment abordable, donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui nous permet d'acheter plein de bêtises et de changer voilà plusieurs fois nos meubles dans la nuit. Bref, on continue. Du coup, en petite promo, il y avait les noix de cajou, toutes ces choses-là, ça coûte vraiment cher. Et je vous explique en vlog, mais j'ai fait un rendez-vous pour l'arrêt du tabac. Et elle m'a dit, au lieu de manger des bonbons et tout, il faut peut-être manger des petites choses comme ça. Et c'est facile à dire, hein, je vous le dis, j'ai la tête sucrée, donc je mange que sucre. Mais bon, du coup, 1,59€ le gros paquet comme ça de noix de cajou. Donc franchement, il y a 150 grammes. Je trouve ça vraiment pas cher parce que habituellement c'est plutôt très cher. Ensuite, déodorant Rexona, on va pas s'attarder dessus, 2,99€. Ensuite, j'ai repris du gel pour plaquer mes cheveux. J'ai pris celui-ci, il est très bien. Je préfère celui-ci que le gros pot que j'avais acheté, un gros pot jaune là, vraiment le prix le plus bas, il était pas terrible, mais celui-ci va très bien. Je sais pas, mon bouchon était noir, donc je sais pas ce que ça change. Mais voilà, comme aujourd'hui, le plaquage est fait avec du gel et de la laque. Du coup, ça c'était combien? 1,99€, ça va. Ensuite, on continue avec ça. J'ai trouvé des petits mélanges pour salade, des petits croutons, graines de tournesol ou paprika, je crois. Ouais, oh, je croyais que j'avais pris les deux goûts. Il y avait deux goûts différents, je croyais que j'avais pris les deux goûts différents. Mais bon, tant pis, j'ai pris paprika. Vous avez un mélange de croutons et de graines de tournesol aromatiques. Voilà. Ça, c'est combien? C'est 99 centimes. Franchement, c'est pas cher. Ensuite, on continue avec, encore une fois, des noix, un mélange de noix comme ça. Et ça, c'est au prix de 2,29€ et on a 150 grammes. Ensuite, alors ça, par contre, je suis passée à Lidl et j'en ai pas retrouvé. Les chips de banane, j'en ai pas trouvé à Lidl. Alors, j'espère en retrouver à Action.
parce que c'est vraiment trop bon ces trucs-là. Franchement, je savais pas qu'il me restait un paquet parce que j'ai acheté deux paquets, je vois sur le ticket. Et du coup, je savais pas que j'en avais d'autres, donc je suis trop contente. 1,19€ le paquet de 150 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on continue avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Ah oui, avec des petits sachets d'amandes. Pareil, si vous cherchez des fruits secs, c'est vraiment pas cher. 1,89€ le paquet, je m'attarde pas dessus. J'ai repris des petits sacs poubelles. Comme d'hab, je m'attarde pas dessus. On le fait assez souvent. Ils sont aromatiques. Ah, oui. Ils sentent la lavande. 1,49€. Ça, par contre, c'est une nouveauté. Alors, dites-moi si vous les avez vus ou pas. C'est un gel douche à checker. Il y avait plusieurs parfums dispo, j'en ai pris qu'un, c'était vraiment pour tester. J'ai peur de l'ouvrir maintenant que je l'ai mélangé. Donc du coup, ça s'appelle Lavato Gel Douche, il y a 300 ml. Il est à 1,59€. Du coup, moi j'ai pris quelle senteur? Alors, ils disent que c'est concentré en vitamine E et à base d'huile naturelle d'avocat, macadamia et amande. Ok, et là j'ai pris Sweet Guava. C'est quoi le guava? Je sais pas. Je sais pas. Ça fait un peu... ça sent un peu... c'est un peu tropical comme odeur. Eh ben écoutez, je pensais qu'il allait pas rester comme ça. J'aimerais bien voir c'est quoi comme texture. Parce que ouais, c'est quand même assez liquide et ça fait une espèce de mousse. Je sais pas si vous allez la voir. Ça reste quand même assez liquide. Donc je testerai ça. Écoutez, ça m'a intrigué ce petit truc-là. Et puis, comme il n'était pas très cher, je me dis, bon, c'est l'occasion de tester. J'ai pris un Airwick comme ça, il n'y avait plus à la fleur de coton, donc c'est pas grave, j'en ai pris juste un senteur printemps à 2,98€. Ensuite, j'ai pris un petit lot de stylos. Les petits stylos à billes sont trop beaux, je trouve. Vous verrez, normalement, je suis en train de faire le mail pour Shein et je prends pas mal de petits trucs comme ça. Je sais pas si je vais les recevoir ou non parce que vous proposez une sélection et vous envoie peut-être 5 ou 6 articles en moins. Enfin bref, peu importe. Et donc j'ai pris des petits lots de stylos comme ça, donc j'espère que je les aurai. 99 centimes pour ces stylos-là, ils sont très bien. Ensuite, j'ai pris des petits pansements. Pansement spécial ampoule, ça tombe bien, demain je vais au zoo en famille, donc écoutez, au zoo, c'est pas un zoo, c'est un petit parc animalier plutôt, donc voilà, ça je vais les mettre de côté là, parce que je sais que je vais en avoir besoin. Ensuite, hop, c'est fini pour ce petit côté là, j'ai retrouvé un petit bracelet en acier inoxydable, regardez comme il est beau. Du coup, malheureusement, je vais devoir les enlever du coup, en proposant l'épilation. Parce que du coup, en frottant ma bande, bah, j'ai mes bracelets qui peuvent toucher la cliente et ça peut déranger, donc je ne préfère pas. Du coup, voilà, petit bracelet en acier inoxydable. N'hésitez pas à aller voir mon vlog qui va sortir parce que j'ai trouvé des bracelets de cheville également. Mais comme le petit retour action était vraiment minime, j'ai pas voulu en faire une vidéo. Et du coup, 2,79€ pour le petit bracelet. Et il ne bouge pas, en tout cas pour le moment, j'ai pas de problème. J'ai plus de problèmes avec les bagues parce que je me désinfecte énormément les mains par jour. Donc voilà. Ensuite, encore des petites noires. Voilà, j'ai bien écouté la dame pour l'arrêt du tabac. 1,49€ ça. Et vous avez 100 grammes à l'intérieur. J'ai pris les rasoirs, les Vénus. C'est tombé bien pour une fille qui vient de sortir d'une formation épilation à la cire. J'achète des rasoirs, oui. Écoutez, hein, il faut quand même être accroché et puis être une vraie courageuse pour faire l'épilation à la cire. Je trouve que ça fait quand même un peu mal. Hein. 5,59€ pour les rasoirs. Ensuite, j'ai pris un petit dentifrice Colgate, rien de transcendant à 1,79€. J'ai pris encore une fois pour m'occuper des petits mots mêlés. Comme ça. Ça, c'est top. Pareil, c'est comme les diamants de painting. Là, vous faites ça. Vous êtes occupé pendant des heures sans avoir envie de fumer. C'est pas comme si... En plus, j'ai
pas trop le temps pour moi, mais je me dis il faut que j'essaie de m'occuper autrement que de penser à la cigarette. Voilà. Ensuite, on continue avec les cadres photos. Donc ça, je suis contente parce que j'en ai retrouvé des dorés et j'ai raccroché certains de mes diplômes au salon et malheureusement, j'avais retrouvé que des cadres dorés. Donc j'en ai des dorés et un petit peu marronnés. Donc là, du coup, il y en avait quatre qui étaient pas de la même couleur. Donc j'ai retrouvé en doré. Donc ça, c'est cool. Et je m'étais dit, bon, c'est vrai que j'accroche pas tous mes diplômes à chaque fois. Et je me dis, par exemple, là, je sais pas si vous voyez mes stories, mais comme je propose du piercing oreille et que j'ai la formation hygiène salubrité pour le piercing, maquillage permanent, etc., c'est une prestation que je peux proposer et que j'avais pas accroché mon diplôme. Donc je me dis, pour les dames un petit peu soucieuse, oh, ça y est. Pour les dames un petit peu soucieuses, bah écoutez, je préfère quand même remettre les diplômes. Donc voilà, ils sont pas très chers, ils sont à 1,99€ ces cadres-là, ils sont vraiment très bien et je les accroche avec, vous savez, le double face là, c'est très très bien. Ensuite, non, j'ai loupé des choses. J'ai loupé des petites choses, mon croisé. Les cadres photos, non, c'est bon. C'est bon. Ensuite, j'ai pris le shampoing ultra doux comme ça de la marque Garnier. Huile de ricin, apparemment, pour les cheveux très abîmés. Huile de ricin, ça aide à pousser les cheveux, on verra bien. Hop, celui-ci est à 2,98€, mais vous avez quand même 400 ml. J'ai pris des petits magnettes là pour le frigo parce que j'ai pas mal de mes clientes qui m'apportent leur faire-part de bébé, de mariage, etc. Donc voilà, je vais les accrocher sur mon petit frigo au salon. C'est trop mignon d'ailleurs, merci. Ensuite, en fait, ça fait trop plaisir de recevoir ces choses-là parce qu'on sait qu'on suit quand même nos clientes tout au long de l'année, même si on les voit que 12 fois au final à l'année. Bah, on suit toute leur péripétie, leur grossesse, leur mariage et tout, et ça fait trop plaisir de faire partie de leur vie. Donc voilà, merci pour ça. Ensuite, oui, mélange de noix que j'ai déjà bien entamé, mais franchement, top. Ils sont vraiment trop, trop bons ceux-là. Voilà, vous avez de tout, des amandes, des pistaches, de la noix de coco, de la mangue, et enfin, franchement. Pourtant, je n'aime pas la mangue, mais en fruits secs comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, j'en avais pris deux, il n'y en a déjà plus qu'un, et entamé. 1,79€. Ah ouais, pas cher. Ah purée, c'est vraiment, vraiment moins cher que Lidl. Ensuite, j'ai pris un parfum de linge comme ça. J'ai vu une vidéo, un petit TikTok, où une dame mettait ça dans un petit spray à vaporiser et elle les vaporise dans sa maison, sur les rideaux, etc., etc. D'ailleurs, il va falloir que je relave tous mes rideaux parce que arrête tabac, bah, dit nettoyage à fond pour pas que ça sente. Et du coup, elle met ça dans un petit vaporisateur et puis du coup, elle vaporise tous ses tissus avec et elle dit que ça sent très très bon. Et ça sent le musc blanc. Musc blanc, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. L'odeur du musc blanc, c'est quand même une odeur qui se rapproche de l'odeur du coton. Ça sent le propre, le frais, etc. Enfin voilà, si jamais vous voulez une petite idée de ce que ça sent. Et pour finir, j'ai encore repris des petits pansements. J'ai toujours, toujours des bobos aux pieds, surtout aux pieds. Je sais pas pourquoi, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me fais très mal aux pieds. 2,39€ pour le petit déo d'off qui est de retour. Mais c'est toujours pas l'Invisibly Dry. Voilà. C'est fini pour ce haul action. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de vous faire pas mal de vidéos aujourd'hui. Je vais vous faire un retour Temu et Shein. J'espère que ça vous plaira. Je fais mon maximum pour vous sortir mes vidéos en temps et en heure. Là, j'en profite parce que j'ai un petit peu de temps. J'en profite aussi pour moi, prendre du temps pour moi, mais aussi pour travailler sur YouTube. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.